Bonjour à toi, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose un nouveau tuto sur le morceau Comme de Jane. Morceau très simple, nous allons avoir trois accords. Alors, quand je dis très simple, je te mens un petit peu, on va avoir que des accords barrés. Mais si tu commences à être à l'aise avec les barrés, ou si tu es en plein dans l'apprentissage des barrés, justement, c'est un très bon morceau, car tu vas apprendre à enchaîner des barrés sur la totalité d'un morceau. Tu verras à la fin, tu auras bien mal ici, mais c'est normal. Voilà. Je te propose de te montrer rapidement les trois accords main gauche, et ensuite on verra la rythmique main droite. À tout de suite. Donc, au niveau des accords, comme je te disais, nous allons avoir trois accords, mais trois accords barrés. Le premier accord va être un Do dièse mineur, d'accord, voilà. Do dièse mineur. Donc Do dièse mineur, tu le fais comment? Tu barres avec ton index au niveau de la quatrième case les cinq premières cordes, donc la corde de Mi aigu, Si, Sol, Ré, La, d'accord. Alors, ta note fondamentale va être là, le Do dièse sur la corde de La. Okay, donc, tu barres ces 5 cordes et tu viens faire une position de La mineur avec le restant de tes doigts. Donc, ton majeur vient sur la 5e case, la corde de Si. Ton auriculaire sur la 6e case, corde de Sol. Et ton annulaire sur la 6e case, corde de Ré. Voilà. Et tu grattes pas la corde de Mi, même si ton doigt, enfin moi souvent mon doigt dépasse, mais tu grattes pas la corde de Mi, ok? Tu restes vraiment sur les 5 premières cordes. Et voilà ton accord de Do dièse mineur. Ok, donc déjà entraîne-toi à déjà bien faire sonner toutes tes cordes. Au début, t'inquiète pas, il y a des cordes qui vont... tiens, par exemple, voilà. Il suffit, si tu appuies pas trop bien, si ton doigt est un peu décalé, dans ces cas-là, voilà, entraîne-toi à bien replacer ton doigt et faire en sorte que ça sonne. Ok? Donc ça, c'était le premier accord, Do dièse mineur. Le deuxième accord va être un Fa dièse. Donc en fait, tu vas garder exactement la même position de doigt, sauf que tu vas là passer en deuxième case et tu vas gratter toutes les cordes, d'accord. Donc ton index vient vraiment pincer les 6 cordes. Et là, du coup, c'est plus une position de La mineur que tu fais avec le restant de tes doigts, c'est une position de Mi majeur. Hop. Donc tu remontes tout d'une corde. Donc ça veut dire que ton index barre la deuxième case, d'accord. Ton majeur est en troisième case, corde de Sol. Ton auriculaire en quatrième case, corde de Ré, et ton annulaire en quatrième case, corde de La. Voilà. Voilà ton accord de Fa dièse. Ok? Tu gardes la même position. C'est magique, tu vas avoir une seule position finalement. Tu gardes la même position et tu la décales de 2 cases vers la droite pour te retrouver en Sol dièse. D'accord. Et dans ton enchaînement d'accords, ce qui est pratique, c'est que après le Sol dièse, eh ben, tu reviendras en Do dièse mineur. Donc hop, tu auras juste à descendre ton majeur, annulaire et auriculaire d'une corde vers le bas. Voilà. Donc je répète, Do dièse mineur, Fa dièse, Sol dièse. Quand tu fais ton barré, ton doigt évite de le garder en plein milieu de la case, d'accord, ni trop à gauche. Et essaie de le coller le plus possible au niveau de la frette. Ok? Tac. Donc au niveau des enchaînements d'accords, tu vas avoir une mesure de Sol dièse, de Do dièse mineur,
une mesure de fa dièse et deux mesures de sol dièse. Et tu recommences sur le do dièse mineur. Et ainsi de suite. Et tu fais ça sur tout ton morceau. Ok ? Au niveau de la rythmique, je t'en propose deux. Tu peux faire une première rythmique qu'on appelle la rythmique feulcan. Donc si tu t'attaques déjà au barré, c'est que je pense que la rythmique feulcan, tu la maîtrises depuis un certain temps. Je la répète au cas où. Ba, ba, o, o, ba, o. Ok ? Donc, ça donne ça. Ça peut être par exemple la rythmique que tu peux employer sur le couplet. C'est une première rythmique. Maintenant, tu peux faire une deuxième rythmique. Et je crois que c'est ce que fait Jane quand elle joue. Au niveau du refrain, elle fait basse, accord, basse, accord. D'accord ? Tu te retrouves à avoir que des coups vers le bas. Basse, accord, basse, accord. Tu fais ça sur chaque accord. Ok ? Donc je recommence. Basse, accord, basse, accord. Basse, accord, basse, accord. Basse, accord, basse, accord. Basse, accord, basse, accord. Ok ? Voilà. Je vais t'enchaîner une progression d'accords avec la rythmique feulcan. Et je vais l'enchaîner sur une autre progression d'accords avec la deuxième rythmique. Ok ? Et c'est parti. D'accord ? Quand tu fais la rythmique basse accord, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de... Une fois que tu as joué l'accord, de relâcher la pression des doigts de ta main gauche. Comme ça, ça arrête le son net. Ça fait un petit rythme un peu saccadé. Ok ? Voilà pour ce morceau. J'espère avoir été assez clair. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à me laisser tes suggestions en commentaire. Voilà, entraîne-toi bien sur tes barrés. Si ton barré ne sonne pas bien, ne cherche pas à passer à l'accord d'après. Entraîne-toi bien à le faire sonner. Et une fois qu'il sonne bien, hop, tu peux essayer de l'enchaîner après. L'avantage, c'est qu'on est sur la même position d'accord. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais voilà. Voilà, tant que ton barré ne sonne pas bien, souvent, c'est que ton index est mal ajusté. Donc, repositionne-le et ensuite passe à l'accord suivant. Ok ? Si au début, le fait d'enchaîner barré et puis rythmique feulcan ou l'autre rythmique est un peu trop compliqué, tu peux très bien faire par exemple deux coups par accord. Mais surtout, avant d'essayer de les enchaîner, ces trois accords, voilà, entraîne-toi à bien les placer. Ok ? Voilà, si cette vidéo t'a plu, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Lâche-moi tes commentaires, je te répondrai avec grand plaisir aussi. Et si ce n'est pas encore fait, tu t'abonnes et je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao !